Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est la minute de la résistance. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Bon, beaucoup, on me dit, mais tu fais plutôt les vidéos tous les jours. C'est comment? On ne peut pas faire tous les jours. On cherche à régler les problèmes. On cherche à gérer. Vous voyez? Voilà. On fait comme on peut, hein? Mais on sait aussi qu'il y a la relève. On sait aussi qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. On vous parle de ça tous les jours, le matin, midi et soir, les problèmes du Gabon. Hier, avec Victor et Koula, on a encore resté longtemps, on a beaucoup parlé du Gabon. Ça va, Isaac? J'espère que tu vas bien. Partagez, partagez, si vous pouvez. Partagez, partagez, c'est le matin, on parle un peu. Vous êtes en train d'aller au travail, certains vont démarrer. Le Gabon, là, on doit parler de ça à 8h, à 7h, à 11h, à 10h, parce que nous savons que beaucoup de Gabonais ne veulent pas encore écouter les problèmes du Gabon. On attend que quand les problèmes nous touchent, pour être scandalisé, hein? Au début, on regarde les autres. Et on a l'habitude de vous dire ça depuis 5 ans. Quand on égorge la poule, le canard regarde. On égorge la poule, on regarde toujours. Parce que quand les problèmes m'ont pas encore touché, ça ne me regarde pas. Les problèmes-là, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. C'est comme ça, c'est pas bon. Le Gabon, là, c'est notre Gabon à tous. Donc, partagez, 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 s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Donc, c'est le matin. Moi, je vais vous parler du problème de Libanais, là. Encore, je sais que tout le monde parle de l'affaire des Libanais. Dans quelques heures, toute la journée, on va encore continuer. Ils ont ouvert le bal, nous, on continue. Oui, Loulou. Monsieur Guéma. Non, 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 non. Je joue d'abord la télé. Mais tu as regardé la télé tout à l'heure. Oh. Bon, moi, je suis encore ici à la maison. Le coronavirus ne veut pas me lâcher. Voilà encore le petit qui est là. Donc, je suis coincé à la maison. Je disais, l'affaire des Libanais. J'ai beaucoup d'amis Libanais. J'ai même de la famille libanaise. On peut dire qu'il y a des Libanais dans ma famille. Je sais qu'il y a des gens, des Libanais qui sont super bien. Eh bien, moi, j'ai envie de demander à ces Libanais qui sont super bien, est-ce que comme ça, c'est bien? Ce qui se passe au Gabon, là, ce que vous voyez au Gabon, est-ce que comme ça, c'est bien? Hein? Est-ce que comme ça, il est matinal, je te dis que lui là, il s'est réveillé même quand il faut aller à l'école, il dit qu'il est fatigué, il ne peut pas se réveiller. Mais dès qu'il sait qu'il est à la maison là, dès que 6h, 7h30, c'est lui qui vient t'ouvrir l'œil comme ça, que papa, je suis debout. Donc je disais, il y a des Libanais qui sont super bien. On a grandi avec des Libanais. Il y a même des Libanais, il y a un gars Libanais qui fait des sketchs enfants. Des Gabonais, des Libanais qui sont devenus des Gabonais, qui sont intégrés, mais qui respectent quand même le pays. Vous venez dans un pays, on vous a adopté dans un pays. On est tous maintenant une famille. Il y a des symboles, il y a des choses qu'on ne fait pas, même si tu dis que tu as donné de l'argent pour payer un terrain. Omar Bongo, de son vivant, lui-même, il paraît qu'à cette famille-là, Omar Bongo a dit, ne déguerpissez pas cette famille, parce qu'il y a des symboles forts dans un pays. Il y a des symboles forts dans un pays. On ne peut pas, un pays qui t'a adopté, qui t'a accepté, tu ne peux pas aller te permettre de mettre des Gabonais de pur sang dehors. Depuis 124 ans, on sait bien que glace, c'est un point stratégique. Va même voir la famille, vous vous arrangez que bon, on peut quand même faire comment, parce que j'ai des papiers, machin et tout. On peut même s'arranger qu'une partie du terrain, on s'arrange même. Mais tu prends ta topelle. Il y a des Gabonais qui disent que nous, on ne veut pas casser, mais toi, tu amènes même tes gens pour casser. Tellement le mauvais cœur, il est attendu de quitter. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Hein? Il y a quoi? Non, tu joues d'abord, après tu vas regarder la télé. Donc, on vous a accepté au Gabon. Il y a des symboles, il y a des choses qu'on ne fait pas à mes frères libanais qui sont au Gabon. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Hier, dans un live, on parlait avec Christian, tu sais, encore Messire et tout ça. On disait que partout où tu vas, au Sénégal, etc., au Bénin, le Gabon, c'est le pays qui accueille le plus. Il n'y a pas un pays qui accueille comme le Gabon. On vous accueille, on est mélangé, on a des métis, des machins, on accueille. Mais maintenant, on va maintenant nous déguerpir de chez nous. Vous savez ce que ça fait de casser une maison de quelqu'un? Casser la maison de quelqu'un.
Est-ce que vous savez ce que la personne a laissé dans sa maison? Vous savez où sont rangés les papiers? Vous savez où sont rangés les affaires, les bulletins des enfants, les ordonnances? Vous savez, tout, quand tu as ta maison, c'est ta maison. Mais c'est un symbole, c'est un acte tellement humiliant, insultant. Tu prends le tractopelle. Tu ne sais pas comment les gens vont dormir demain. Tu ne sais pas les papiers qui sont dans la maison. Tu en vois cassé. Ça veut dire que pour toi, tu te crois plus fort que tout. Quel argent manque aux Libanais? Quel argent vous manque? Et là, j'ai envie d'appeler vraiment nos frères libanais qui sont corrects. Vous ne pouvez pas laisser la grosse communauté libanaise du Gabon. Vous ne pouvez pas laisser cet acte vous taire et laisser ça comme ça. Sinon, on condamne tout le monde. Boycotter les magasins libanais, c'est quoi? C'est d'abord un acte symbolique parce qu'on ne va pas vous dire d'aller faire autre chose. On ne va pas vous dire d'aller brûler. On ne va pas vous dire d'aller casser. On dit que si vous vous considérez que nous, Gabonais, nous sommes que des moins que rien, on ne va plus aller chez vous. Oui, il fait ça avec la bénédiction de qui on sait, de ce régime. Parce que même Omar Bongo, qu'on l'aimait ou on ne l'aimait pas, Omar Bongo avait des symboles. Même si c'est à cause de lui que nous sommes dans le foufou, il avait des symboles. Omar Bongo ne pouvait pas permettre qu'on vienne déguerpir un Gabonais. Il ne peut pas permettre ça. C'est bien qu'avant sa mort, il a fait un papier pour dire que cette famille-là ne doit pas être enlevée là. Et quand on voit bien, il paraît que les titres fonciers là-bas sont bidons. Certains titres avec des signatures, d'autres avec pas de signatures. Bonjour à tous, à ceux qui se connectent là. Partagez, partagez au maximum si vous pouvez. Quand même, merci pour les partages. Omar Bongo de son vivant a dit à la famille, laissez la famille, parce qu'il y a des symboles. Même si tu as raison, il y a des symboles, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous savez l'équilibre d'une maison, tu as des enfants, des petits-enfants, vous savez le choc que ça fait à un enfant de voir qu'on a cassé sa maison. Vous imaginez le traumatisme. Ne nous arrêtons pas seulement au matériel. On est en train de casser une maison et on s'arrête à casser une maison. Vous savez ce que ça fait de casser une maison? Bonjour Charlie. On ne peut pas, à un moment, comme tu dis, Tessiali, on est au bord du gouffre. On est au bord du précipice, ça peut péter. Il y a des choses qu'on ne fait pas, que tu aies raison ou pas. Il y a des Gabonais qui ont laissé leur terrain à des Libanais à exploiter pendant 50 ans. Même moi-même, je trouvais cette affaire-là bête. Oh, j'ai laissé mon terrain, j'ai oublié comment on appelle ça. Oh, j'ai laissé mon terrain en gage ou caution, comment vous appelez. On a des Gabonais qui disent que à un Libanais que viens construire ma maison. Construit sur mon terrain et dans 80 ans, je vais avoir le terrain. Mon frère, tu as 30 ans, tu laisses un Libanais construire chez toi et tu lui dis qu'il exploite ça pendant 50 ans. Dans 50 ans, tu auras quel âge? Tu auras 80 ans. C'est 80 ans que tu attends pour dire que bon, je vais profiter. Et vous-même, quand un terrain, une maison a été exploitée pendant 50 ans, vous croyez que quand vous récupérez la maison, là, vous savez quoi dedans? C'est des maisons même qui, au bout de 30 ans, 40 ans, le bâtiment commence à s'effondrer. Ça veut dire que lui, quand il a déjà bien exploité son terrain-là, ton terrain, tu n'as plus rien. On peut donner un bout de terrain à un Libanais en disant que bon, tu es là pendant 50 ans, mais moi, dans l'immeuble que tu vas construire, j'ai au moins deux étages que je mets en location ou bien que je fais des choses comme ça. On peut comprendre. Mais on a des familles au Gabon qui disent que non, j'ai laissé mon terrain à un Libanais, il va construire là pendant 50 ans. Et nous, on est là, on regarde, tu ne manges pas, tu ne vis pas, tu vas seulement prendre les bons. C'est le même Libanais qui a la maison sur ton terrain. Et c'est toi qui vis avec les bons. C'est toi qui vis avec les bons. Et tu regardes le Libanais s'enrichir. Ce n'est pas une histoire de xénophobie. Je dis Libanais parce qu'on parle du cas Libanais.
Et je vous ai dit au début de mon live que j'ai beaucoup d'amis libanais. J'ai même des Libanais qui sont dans ma famille. Parce que deux peuples qui vivent ensemble depuis des années, au milieu, à un moment, il y a des enfants qui vont aller trouver les enfants et ils vont faire les enfants entre eux. Oui, j'ai des enfants, mes enfants sont libanais. J'ai des enfants libanais. Mais on ne peut pas permettre ce qu'on vient de voir là. C'est un symbole. Il y en a qui sont en train de négliger cette affaire. On vous montre un truc comme ça, comme on disait hier, vous vous filmez. On est en train de casser la maison d'un Gabonais, vous vous regardez. Glace. Il y a plus de solidarité dans à glace. Moi, j'ai grandi à Notre-Dame des Victoires. L'école, Notre-Dame des Victoires, j'ai fait la du CE1 au CM2. Je connais les familles, je connais l'engouement, l'énergie qu'il y a dans ce coin. Mais on ne peut pas dire que vous vous regardez, on est en train de déguerpir vos frères. De glace. Il n'y a plus de garçons à glace. À glace, il y avait des groupes de jeunes. Il n'y a plus d'autres groupes de jeunes qui sont arrivés derrière nous. Bonsoir, Benoît Mafoubi. Bonsoir à tous. Bonjour. C'est un symbole fort. Si on nous a tellement fait des symboles forts, mais nous, on est là, on regarde. Aucune solidarité. On va filmer. Regardez le nombre de vidéos. OK, d'accord. Les vidéos, on est content parce que nous, on a vu les vidéos, on a vu ce qui se passe. Mais on ne doit pas s'arrêter qu'à filmer. On ne peut pas. Mais toi qui regardes l'autre, tes parents sont décédés depuis. Est-ce que tu sais le papier qu'il y a sur ton terrain? Demain, on peut venir chez toi, te dire que oui, ton grand-père et ton papa est mort, mais il avait signé à un Libanais. Toi, tu vas faire comment? Aujourd'hui, tu ne bouges pas. Et tu regardes l'autre. Mais bien sûr, monnaie de singe, comme tu dis, Charlie, vous nous payez quand même monnaie de singe, Wilfried Bolon. Les gens sont devenus insensibles, comme tu dis, la peur. Mais la peur, là, c'est une fausse peur. Parce que, dites-moi, les retraités qui ont bloqué la route de la CNSS, même si après, on est venu les chasser parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Nos grands-parents, ils n'ont plus de retraite. Ils ont bloqué la route de la CNSS. Ils sont tous au milieu aujourd'hui. Ils ont été tués. Mais imaginez si les retraités, là, nos pères et nos mères qui ont bloqué la CNSS, si vous étiez 500, vous croyez qu'on allait les chasser comme ça? Comme des malpropres? On a tous été choqués par cet audio qui traverse en disant qu'on allait maltraiter, taper les gars, nos parents. On dit, oh, mais c'est scandaleux, on n'a pas le droit de faire ça à nos enfants, nos papas. Est-ce que eux, ils ne seront pas retraités demain? Mais ça ne doit pas s'arrêter là. On tape vos papas, on tape vos mères, mais le lendemain, c'est vous-même qui êtes debout. Allez même demander des explications. Et regardez même la retraite. Tu vois les montants là-bas, on vous doit 60 000. On vous donne des miettes. Et des fois, ce n'est pas payé par moi, c'est payé tout le trimestre. Tu vois un vieux qui quitte là-bas à OIM parce qu'on n'a même pas un moyen de payer les 80 000 à OIM. Le gars, il prend le train. Je dis le train, il y a quel train? Il prend la voiture, il bricole, il va même emprunter de l'argent pour pouvoir venir à la CNSS pour récupérer ses petits 60 000. Et quand il arrive là, on lui dit qu'on ne peut même pas te payer. Et quand on ne peut pas payer, la police vient, on te tape tes propres enfants. Tu as fait des enfants qui sont maintenant à la police. Hier, tu étais content parce qu'ils ont eu le concours de la police. C'est eux maintenant qui viennent te taper. Ils viennent te taper. Et nous, on va continuer à regarder. Et comme on a dit, il y en a qui pouvaient pas comprendre en disant, mais nous, on achète chez les Libanais, on va l'acheter où? Oh, ma famille. Il n'y a pas les Maliens, il n'y a pas les Mauritaniens, il n'y a pas même des Gabonais qui ont des business, qui ont des petites supérettes. Il n'y a pas. Mais vous croyez que si tout le monde commence à dire que nous, aujourd'hui, on est fâché avec nos frères libanais, donc aujourd'hui, on ne peut pas fâcher les Libanais. Si ça se fait ressentir, peut-être ils vont faire une déclaration, condamner leurs frères qui allaient casser chez nous. Puisque vous dites que vous ne pouvez pas lui vous battre, vous ne pouvez pas
aller bloquer les routes. Vous ne pouvez pas aller aider les familles qui ont des gâteaux à glace. Je vous dis seulement que, mon frère, quand tu vas acheter ton sac de riz là, ne va plus chez le Libenco. Tu vas chez le Mauritanien, tu vas chez le Malien, tu vas chez même le Gabonais. C'est tout ce qu'on te dit? Mais j'avais appris même que les Gabonais font dans le riz. Mais cherche le riz made in Gabon. Cherche le riz made in Gabon. Ou bien c'est peut-être le riz. Vous ne savez pas que le riz ballonne le ventre? Eh bien, arrêtez de manger un peu de riz. Allez cultiver au village, vous faites vos maniocs, vous allez même prendre, acheter le manioc. Est-ce que vous allez manger le riz tous les jours? En plus, des fois, le riz qui est même coupé. Parce que vous croyez que quand le riz là devient périmé, là, vous croyez qu'ils jettent ça. On vous dit que certains trucs là, ils prennent le riz, ils coupent ça, ils mélangent avec le nouveau riz. Et on mange ça, on a les ventres ballonnés, on est malade. Des produits qui ne sont même pas surveillés parce que ces mecs-là, s'ils vont casser nos maisons, c'est qu'ils n'ont même, ils ne, qui va contrôler leurs produits? Personne ne contrôle même leurs produits. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Si on a des frères libanais qui sont conscients que ce n'est pas bon, mais il faut que ces frères libanais parlent. Il faut qu'ils condamnent. Il y a une communauté, une grosse communauté. Vous ne condamnez pas. Vous ne condamnez pas ce que vos frères ont fait. Eh bien, on boycotte. On vous dit boycotter. Vous dites non, moi je vais aller où? Eh bien, il y a d'autres possibilités. Tu vas chez le Mauritanien. S'il y a un Mauritanien qui ne faisait pas le riz ou bien qui ne faisait pas tel produit, eh bien, il va dire que non, non, aujourd'hui je vais venir consommer chez toi. Donc, dépêche-toi. Il va savoir que vous avez maintenant besoin, vous n'allez plus chez le Libanais, vous allez chez lui. Il va s'équiper. Il va trouver, il va acheter quelque chose et puis il va vous vendre ça. Mais si nous ne faisons rien, nous regardons seulement, on te dit seulement que mon frère, ma soeur, tu ne peux pas sortir, tu as peur que le bébé vienne te chercher. Ne va plus chez le Libenco. Pour un moment, en tout cas. Parce que lui, il ne veut pas te considérer. Donc, on te dit, toi, arrête d'aller manger, d'aller acheter les produits chez les Libanais. Arrête d'aller acheter le pain chez certains Libanais. Même si on dit qu'à la source, c'est eux qui fabriquent le pain, il n'y a qu'eux qui fabriquent le pain. Non. Tu dis, si c'est va donner l'argent chez les Mauritaniens ou je ne sais pas quoi. Mais les petites boutiques chez les Libanais, tu dis, je ne pars plus là-bas. Oh, mais il n'y aura pas d'autres boutiques à côté. C'est faux. Quand tu veux t'organiser, tu t'organises. Mais pour toi, ça ne te regarde pas. Pour toi, c'est pas ta maison qu'on est venu casser. Les Libanais qui font des barrières en pleine route, qui prennent des terrains. Voilà un Libanais, il y a 2 ans, qui a cassé l'école. Comme ça. Et nous, on continue à regarder. Parce que ça ne nous regarde pas. On casse chez le voisin, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Jusqu'à quand, la famille? Jusqu'à quand? Boycott. Je sais que vous êtes peut-être 30, il y en a qui vont partager, qui vont regarder après. Boycott. Si nous sommes même 200 à dire qu'on ne peut pas chez le Libanais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On sent au moins 200, on dit que moi, le Libanais, n'aura plus mon argent. Si mentalement nous commençons, nous petit à petit, à le faire, ça va marcher. Et petit à petit, nous allons nous battre. Il faut qu'il y ait des commerces. Vous faites de la résistance au Gabon. Il faut qu'un jour vous ayez vos petits commerces. Si chaque Gabonais qui a son business, épicerie ou bien commerce, contactez-nous en inbox. On va vous faire de la pub. On va vous faire de la publicité. On va partager ça partout pour que les Gabonais aillent acheter chez vous. Aujourd'hui, chaque commerçant gabonais qui existe, qui a son business, épicerie ou machin, contactez-nous, on va balancer ça. On vous fera la promotion, on présentera vos produits. Si vous avez peur qu'on fasse des lives sur vous, c'est pas grave, on a plein de groupes WhatsApp. On va inonder le WhatsApp avec votre business. Comme on va dire au Gabon, mais comment il faut aller consommer maintenant? Aujourd'hui, vous devez chercher votre frère qui a le travail, qui a le business, vous allez consommer chez votre frère. Ou bien vous allez consommer
vers la communauté qui nous respecte. Le pouvoir économique, c'est nous qui donnons l'argent à ces gens-là. C'est nous qui enrichissons ces gens-là. Le jour où on va prendre conscience de notre force, les choses vont changer. Ils vont commencer à nous respecter. Il y en a qui vont nous dire que mais votre boycott, là, ça ne va même pas marcher. Non, avant de dire ça, mon frère, pour que ça marche, il faut que toi, tu commences à le faire. Et il faut que toi, quand tu commences à le faire, quand tu vas travailler au matin, tu dis à tes collègues que moi, je ne vais plus chez le Libanais. Eux aussi, ils ne vont plus aller chez le Libanais. Eux aussi, ils vont aller dire à d'autres collègues, à d'autres amis, parents, que n'allez plus chez le Libanais. C'est comme ça que le boycott se met en place. Ne dis pas seulement que je ne veux plus acheter chez le Libanais et tu gardes ça pour toi seul. Non, tu dois être aussi un moyen de relais. Bonjour, monsieur Ngoma. Tu dois être un moyen de relais. Tu dois dire aux autres, n'y allons pas. N'y allons pas. Ce n'est pas seulement tu dis, moi je ne veux plus chez le Libanais. Non, tu n'y vas plus, mais tes collègues, tes amis, ton groupe WhatsApp familial, ton association, les pasteurs d'église, on ne peut pas avoir la pied là. Hein? C'est pas tout de dire la dîme. Vous devez dire dans vos églises, dans vos trucs, que ne, si les Libanais ne veulent pas respecter les Gabonais, dans l'église là, on doit dire au peuple Gabonais, n'allez plus consommer chez les Libanais, au peuple Gabonais. Ce n'est pas en disant que les Gabonais ne vont pas faire que ça va marcher. Ce n'est pas parce qu'on met un flyer dès le début que ça va marcher. Ça va prendre peut-être un mois. Mais il faut que nous-mêmes, nous rentrons ça dans nos têtes. Nous devons mettre ça dans nos mécanismes tous les jours. Et nous devons en parler autour de nous. Tu vois une personne, tu parles. Tu vois une deuxième personne, tu parles. Quand la communauté libanaise va comprendre que leurs frères gabonais qui ont toujours accueilli le peuple libanais, que nous sommes fâchés et nous n'aimons pas ce qu'ils ont fait, ils vont commencer aussi un peu à nous respecter et peut-être même à freiner. Ils ont cassé la pauvre maison. Vous imaginez le traumatisme des enfants? Un enfant, ils vont où aujourd'hui? Ils vont aller se serrer avec le Gabon qui est difficile là, vers d'autres parents. Peut-être la maison que vous avez cassée, la famille que vous avez cassée, peut-être c'est une famille qui nourrissait des centaines de familles. Est-ce que vous réfléchissez quand même quand vous faites des actes de ce type? Vous réfléchissez? Vous voyez seulement le business. Parce que glace est au centre-ville. Parce que vous avez besoin de faire fleurir vos affaires. Vous avez besoin de faire du business. Et comme vous avez besoin de faire du business là, donc il faut casser. Parce que, vite, vite, je dois faire un centre commercial. Mais ils cassent le centre-ville, pourquoi? Parce qu'ils veulent faire leur boutique. Ils veulent faire leur boutique au centre-ville. Et demain, ils ont cassé chez vous, et c'est vous encore qui allez faire la queue pour aller demander les cahiers de bon chez eux. Alors qu'ils ont cassé votre maison. Est-ce que comme ça, c'est bien? Comme dit Hugues, il vient me faire toi. Est-ce que comme ça, c'est bien? Gabonais, Gabonais, comme dit le petit Yalendoy. Gabonais, oh, Gabonais. On vous a appelé combien de fois? Gabonais, Gabonais. On vous a alerté combien de fois sur le problème du Gabon? Gabonais, Gabonais. On vous a dit de vous réveiller combien de fois? Gabonais, Gabonais. On vous a demandé d'être solidaire. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Voilà les retraités. Quand l'école pleurait, les retraités regardaient. Quand la poste, les gars de la poste pleuraient leur argent, les retraités regardaient. On regarde toujours les problèmes des autres. Bob, l'erreur, c'est d'avoir ouvert les portes aux Libanais, des envahisseurs, ces gens mauvais et racistes. Mais le pire, c'est nos parents miennes dont leur kleptomanie ont parfois vendu leur être. Mais mon frère, après, moi, je ne veux pas les condamner une communauté parce qu'il y a tellement de gens bien partout.
Moi, ce que on est là. Le vin là est débouché. Comme on dit déjà, le vin est débouché et on a enlevé le bouchon. Nous devons boire. Les problèmes du Gabon sont déjà là. Nous, comment on règle? Comment on règle? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que je dis, il y a des compatriotes qui ont lancé la bonne idée de dire qu'on boycotte. C'est un début. Mais ce début-là, il ne faut pas le négliger. On te dit même que à ta page de profil sur Facebook, même l'affiche, tes groupes de WhatsApp, vous avez tous des groupes de famille. Chacun doit parler de ça dans son groupe de famille, dans les réunions. Chacun doit parler au pasteur. Moi, j'appelle le pasteur Ngwabina. Pasteur Ngwabina. Ceux qui connaissent le pasteur Ngwabina, tu es très écouté, pasteur. Tu es très écouté. Aujourd'hui, il faut dire, tous les jours, tu dénonces les problèmes du Gabon, pasteur. Que les ministres, tu n'as pas la. Tu ne te fermes pas ta bouche, pasteur. Et tu n'as pas peur de ce régime, puisque tu parles et tu dénonces. Et aujourd'hui, il faut dénoncer l'acte de nos frères libanais. Les églises doivent parler de ça. Mais ne disons pas nous-mêmes déjà que le combat commence, nous commençons à dire qu'on ne va pas faire parce qu'on ne va pas te dire. Non, c'est en continuant à en parler et surtout en faisant nous-mêmes un peu, un peu. Même si aujourd'hui, il y a cinq personnes qui disent qu'on ne va pas toucher les Libanais, c'est déjà ça en moins. Les cinq personnes-là peuvent en parler dans leur famille. Les cinq personnes-là peuvent en parler au bureau. Les cinq personnes-là peuvent en parler dans d'autres endroits. À l'église, on peut en parler. Dehors, dans les taxis, on peut en parler. Vous appelez, vous avez la page du petit Armel qui vous parle tous les jours des marchés à Mombouët. Vous avez le problème, vous appelez Armel. Vous dites Armel, c'est quoi les bons plans pour aller acheter le riz ou bien machin? Ils vont vous indiquer. Ah, Mountain Issofa, on le sait. Et on tente de le faire. Mais nous-mêmes, on n'arrive même pas déjà à manger. Et on ne veut pas être solidaire entre nous-mêmes. C'est ça qui fait mal. Quand l'autre souffre, on regarde. Ça ne me regarde pas. Nous, on a pleuré le 31 août. On continue à pleurer nos morts du 31 août. On nous a massacrés, on nous a tués comme des lapins. Depuis qu'on crée 2016, on nous dit même, oh, laissez-nous avec 2016 là. Ah bon, ça devient juste une date. Parce qu'ils savent que bientôt les élections arrivent. Donc, pour eux, comme la souffrance des Gabonais, les morts des Gabonais, ça s'arrête en 2023. En 2023, les gens qui sont morts là, on doit les effacer de nos mémoires. Parce qu'une autre date d'élection est venue, il faut d'autres morts. Et donc, on doit passer la page. On doit tourner la page. C'est comme ça qu'on parle. Tournons la page et avançons autre chose. C'est trop long, le combat l'a eu. Et on veut là donner encore un quitus de 7 ans, de 20 ans encore à ce régime. Alors qu'on sait qu'il est moribond. Un régime qui est fini. Un régime qui est fini. Mais on veut encore laisser. On veut encore laisser les bongos là. C'était la minute de la résistance. Mon frère Hervé Mombokinga, tous les jours, se levait le matin. Hervé vous disait ça tous les matins. Et vous parlez des méthodes de résistance. La désobéissance civile. Quand vous dites n'allez pas chez le Libanais, c'est de la désobéissance civile. Et si c'est respecté, ils vont comprendre que non, le Gabonais, on doit le respecter. Mais si nous-mêmes, nous ne faisons pas tout pour qu'on nous respecte, qui va nous respecter? Qui va nous respecter? Si nous-mêmes, on ne se soutient pas, qui va nous soutenir? Qui va nous soutenir? Vraiment, frères et sœurs, je me disais que tout le monde en parlait déjà, que je n'allais pas en parler. Non, genre, il faut appuyer. Il faut appuyer. Il faut appuyer. Et il faut continuer à motiver le peuple. Cette affaire-là, ce pays-là sera tellement beau quand on va y arriver. Jean-Rémy Yama est toujours en prison. Jean-Rémy Yama est toujours en prison. Jean-Rémy Yama n'a plus d'argent.
07 7 173 359. 07 7 173 359. Vous avez le numéro qui défile sur le bandeau là. N'abandonnez pas Jean-Rémy. Et hier, on était en train de discuter avec Rekula et Messier. On parlait de le Gabonais veut un leader. Le Gabonais a des leaders. Mais le Gabonais ne soutient pas ses leaders. Le Gabonais laisse ses leaders mourir. Bertrand Zibi est abandonné en prison. D'autres jeunes qui se sont levés ont été abandonnés en prison. Même pas des packs d'eau, même pas les déposer. Bravo à SOS prisonniers qui essayent de faire un boulot monstrueux. Jean-Rémy Yama est en prison, mais des professeurs vont faire passer le bac. Alors qu'avec le bac, on avait la possibilité de bloquer et de libérer Jean-Rémy Yama. Mais nous avons laissé Jean-Rémy. Nous laissons à Dynamique Unité et quelques membres qu'on assistait se battre. En 30 ou 40, les pauvres, ils se battent comme ils peuvent, mais les professeurs, les maîtres, ils s'en foutent. Jean-Rémy Yama est en prison aujourd'hui. C'est lui qui a accepté de jouer le rôle de la SCI pour que les professeurs aient des maisons. Et il en a construit des maisons. Et comme on a un régime mafieux qui a bloqué les subventions, qui a bloqué le matériel au port, avec une invention sur une fausse accusation de maison pas finie, alors que la personne a la maison a été construite à près de 38 millions. Aujourd'hui, Jean-Rémy, une SCI, une personnalité morale est en prison pour ça. Et il y en a qui justifient ça que non, il y a des plaignants, il y a des preuves que Jean-Rémy Yama, on savait qu'il avait un train de vie, donc c'est normal. Et quand on vous raconte des conneries que Jean-Rémy Yama était sur les Champs-Élysées, est allé faire des courses, vous croyez à des bêtises comme ça, des torchons de la République, un magazine qu'on appelle La République là. Donc vous croyez que Jean-Rémy vient à Paris, il va aux Champs-Élysées, il achète des montres. Jean-Rémy Yama que vous voyez, vous pouvez croire à des bêtises pareilles. Et il y en a qui croient à ça. On cherche des leaders, les leaders sont là. Vous avez abandonné Jean-Ping, il essaie de faire comme il peut, mais les gens s'en foutent. Si même Jean-Ping vous demande de lever, vous devez, vous n'allez même pas vous lever. Les autres doivent faire à la place. Les autres doivent faire à votre place. Et même quand vous avez des problèmes, on vous dit que bon, est-ce que tu veux témoigner de ton problème, on te fait un live ensemble, etc. Oh non, tu sais qu'au Gabon ici, mais comment tu as le problème? Tu as ton problème au bon, tu veux que c'est moi qui parle de ça, que toi tu as peur même de venir montrer ta tête? Ton propre problème? Même pour notre propre problème, on a peur. Notre propre problème, j'ai un problème au Gabon. Je veux que Bob le fou, tu me parles de ça, on fait un live et tout ça. Mais quand je te dis que viens, on fait le live. Aujourd'hui, maintenant, on peut inviter les gens, on peut faire le live, montrer les documents, comme fait Stéphane, Claire et tout le reste. On te dit, viens! Tu dis non, 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 moi je ne peux pas. Mais pourquoi? Non, tu sais que c'est toi qui dis que le problème est grave et tu ne peux pas parler. On a toujours cette peur. Vous croyez que Geoffroy Fumbula, quand vous restez dans la justice, quand vous restez dans vos droits, Christian Rekula, quand il reste dans les tours, vous croyez qu'ils ne sont pas en prison? Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans leurs limites, mais ils dénoncent des choses qui sont vraies. Mais si vous laissez seulement 10 personnes parler, vous croyez que l'impact sera quoi? On a besoin aujourd'hui que tout le monde dénonce. On a besoin aujourd'hui que tout le monde dise les problèmes qu'ils ont en même temps. Ne dites pas demain. Tu dis que bon, je voulais dénoncer mon problème aujourd'hui. Bon, comme la poste est en train de parler, je laisse. Je veux parler de mon problème aujourd'hui, mais comme ils ont cassé la maison de glace, je laisse d'abord mon problème, je laisse. On va aller où comme ça? On attend toujours que quand ça va nous chauffer, on va appeler Stéphane Zeng, on va appeler Bob Le Fou, on va appeler les autres, venez m'aider, oh, venez m'aider. Ah bon? Et quand l'autre a un problème, personne ne va. Personne ne part. Bon, la famille, moi je continue mes bricoles, personne ne me nourrit.
On bricole nous-mêmes comme on peut là. On n'a même pas le temps de faire nos prospections, de faire notre business parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, là, je suis en France bientôt depuis 30 ans. À cause d'un imbécile comme, excusez-moi le terme de Flavien Ngwe. Voilà, maintenant, me mettre dans des démarches, maintenant, de trucs de réfugiés, moi, Nguema. Parce qu'on a parlé des choses du Gabon. Parce qu'on a voulu que les Gabons changent les choses. Bonjour, Tassiana. Et jusqu'à quand? On attend toujours le reste, quand les autres vont parler. Ils vont faire les lives. On regarde maintenant les lives comment, comme les films. Oh, il y a un live à quelle heure? Tu veux le live à quelle heure? Oui, moi j'attends. Oh, on ne commence pas le live si je ne suis pas là. Oh. C'est quoi? C'est un film? Les affaires qu'on fait les lives, vous croyez que c'est le film? C'est le telenovelas. C'est le nouveau telenovelas. Et je parlais aussi, parce que je suis en train de nous le faire couvrir le sujet. Au début, ceux qui viennent d'arriver, je parlais des Libanais. Je parlais des Libanais en disant que les gars, ce que vous avez fait là, c'est un acte, c'est une insulte. Omar Bongo avait dit ne touchez pas cette famille. Et comme Omar Bongo est mort, Ali Bongo, ça clique, font ce qu'ils veulent, parce qu'il paraît que ça a été signé après par Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui a signé l'acte assez libanais pour aller casser les maisons des Gabonais. Une insulte. J'ai dit qu'on a tous des amis libanais, on a de la famille libanaise, ils sont rentrés dans nos familles. S'il y a des Libanais honnêtes, ils doivent faire des déclarations pour dire que nous condamnons ce que nos frères ont fait. Quand il n'y aura pas ça, ça veut dire qu'ils acceptent. Et ne dites pas, on ne va pas chez les Libanais, on va aller où? Non. Il y a des Maliens, il y a des Mauritaniens, il y a des Sénégalais, vous pouvez aller faire vos courses n'importe où. Mais nous devons commencer à le faire. Et toi, tu dois dire, aujourd'hui, je ne suis pas allé chez les Libanais, mais quand tu arrives au bureau, tu parles à tes collègues. Que n'allons plus chez les Libanais. Allons manger, allons acheter chez les Sénégalais et chez les Mauritaniens. C'est comme ça qu'on commence. La désobéissance civile. C'est ça le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Sylvain Dambolo, c'est de ça qu'il s'agit. Mes frères. Oui, chérie. C'est de ça qu'il s'agit. Ce boycott-là, ça commence comme ça. Si toi, tu en parles, nous sommes là 45 personnes sur toutes les plateformes. Si vous en parlez là, vous parlez aux autres, vous parlez à vos parents dans les groupes WhatsApp, famille, vous parlez, vous dites que n'allez plus chez le Libanais pendant un moment, n'allez plus acheter chez le Libanais. Ça va commencer un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Vous ne pouvez pas aller vous bloquer la route. Vous ne pouvez pas aller chez le Libanais crier parce que vous avez peur que le bébé vienne vous chercher. On vous dit que mon frère, ma soeur, ne va plus chez le Libanais. Va acheter ailleurs. Va acheter ailleurs. Le deuxième point, je disais que nous sommes toujours là. On égorge la poule, nous sommes les canards, nous regardons d'abord. C'est quand le problème va nous toucher qu'on va appeler Stéphane Zeng, qu'on va appeler Bob le Fou, oh, on a un problème. Non! Et même quand on vous dit, venez témoigner de votre problème, vous avez peur de parler de votre problème. Il est temps que ça change. On va tous la faire que les RIP. On ne fait que nous exterminer. Ils sont en train d'exterminer les Gabonais. Ils nous exterminent. Ils ont pris nos richesses, ils ont pris l'or, ils ont pris le bois. Tous les jours, le bois ne pouvait plus sortir du Gabon, mais tous les jours, il y a des grumiers sur la route. Alors qu'on ne fabrique même pas les boîtes d'allumettes. Tous les jours, ça sort. Nous nous regardons, nous parlons de ça comme les télé, les novelas. On va avoir les couilles quand? Et je m'adressais à mes frères qui ont le même âge que moi, là. Les 45-50 ans. Macron, c'est notre petit frère. Il est président. Nous devons parler des problèmes de notre pays et nous devons agir pour bousculer les choses. Même si vous avez signé l'acte, vous êtes franc-maçon. Il n'y a pas de francs-maçons là-bas qui sont un peu, qui ont peut-être un peu de dignité. Entre francs-maçons, il n'y a pas un groupe de francs-maçons qui peut dire que non, on est en train de salir la franc-maçonnerie. Donc on va se réveiller pour mettre les choses au clair. Pour qu'on ne dise pas que la franc-maçonnerie, c'est toujours sale. Il n'y a pas de francs-maçons en France. Votre franc-maçonnerie du Gabon, là, c'est toujours la bêtise. Vous trouvez toujours aller dans la bêtise, votre franc-maçonnerie du Gabon. On dit que les francs-maçons sont des bâtisseurs.
Votre franc-maçonnerie au Gabon, c'est être des gens qui finissent, qui tuent le Gabon, toujours. Ça, c'est quelle force, ce type de franc-maçonnerie qui ne peut pas construire une nation. Les autres font comment? Il n'y a pas la franc-maçonnerie au Sénégal. Il n'y a pas la France-Afrique au Sénégal. Il n'y a pas la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la France-Afrique au Bénin. Nous, c'est toujours, oui, les Français, mais quels Français? Les Français, là, ne font pas, les autres pays, là, ne se construisent pas. Il n'y a pas la France en Côte d'Ivoire. Ils ont les autoroutes. Et on nous annonce que bientôt, il y aura une autoroute entre le PK5 et le PK10. Depuis que tu te bats avec la trans-gabonaise, tu n'es même pas arrivé en coque. Et c'est toi qui viens ouvrir la bouche que tu as fait l'autoroute. Autoroute, tu sais ce qu'on appelle l'autoroute. Ils sont toujours dans les faits mania, dans le mensonge des médiocres. Une bande de médiocres. On est commandé par une bande de médiocres. Et vous, mes frères, 45 ans, 50 ans, vous jusqu'à quand vous allez accepter d'être fait commander par des médiocres? Vous n'avez pas dans le regard de vos enfants que non, quand même, moi, j'abuse. Mes frères, tu as fait l'école. La dignité, là, ça, tu peux pas avoir un petit sentiment de dignité pour dire que non, 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 cette fois-ci, je ne laisse pas passer. Voyons comment on peut un peu se réveiller là. Vous faites un courrier, vous êtes au Gabon, même si vous êtes fonctionnaire, vous faites un courrier, machin, etc. Non, vous avez peur. Comment on vous a dit que? Comment on vous a dit qu'on ne peut pas? Je ne sais pas les lois que vous avez entre vous là-bas, vous ne pouvez rien dire. Vous devez toujours subir. Voilà, au début, on commence calme dans les affaires du Gabon. Après, on est là maintenant comme si on a l'attention. Avez besoin, vous dites les leaders, Jean-Rémi Yama, vous l'avez abandonné. Et ça me fait mal, j'entends, oh, le bac va bientôt. Quel bac? Il y a quel bac au Gabon? Vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui? Quel bac? Quel bac? Il y a combien d'enfants qui sont stockés à Niamey? Aujourd'hui, on apprend maintenant qu'il y a des bagarres arrangées au Sénégal parce qu'il y a tellement d'étudiants maintenant à l'étranger. Ils vont maintenant même faire des bandes de bagarres. Les artistes vont maintenant gagner de l'argent dans les pays limitrophes, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, faire du business parce que c'est la communauté, les enfants, la jeunesse gabonaise a fui le Gabon. Nos enfants ont été chassés du Gabon. On est en train de nous exfiltrer, on est en train de nous dégager, de nous exterminer de notre propre pays. On m'a dit que non, ça c'est la politique, nous on ne fait pas la politique. Ah bon? Quelle politique? Tu appelles ça de la politique? Monsieur Nguema, j'ai bientôt fini. Ça soit 10 minutes. Ah, parce que si tu veux la télé, tu fais mon téléphone. N'est-ce pas? Bon, alors je ne peux pas finir mon live. D'accord? Allez, continue à jouer, j'arrive. Jusqu'à quand, mes frères? Ça fait 5 ans qu'on parle. Oh, on va nous dire qu'on fait le bruit, le clavier. Mais oui, il faut. Aujourd'hui, beaucoup commencent à parler. Je ne dis pas qu'il n'y a que du négatif. Parce qu'aujourd'hui, il y a des compatriotes qui sont debout, qui ont compris. Au Gabon, on a une société civile propre, rajeunie, qui se met au combat avec ses moyens, comme il peut. Mais au moins, ils font du bruit. Aujourd'hui, on a pu bloquer l'argent qui rentre au FMI à cause d'un faux rapport. Aujourd'hui, un rapport qui est sorti bientôt depuis un an. Ils ne font que dire, on arrive, bientôt le rapport, bientôt, parce qu'ils sont en train de faire des fausses factures. Ils sont en train de justifier l'injustifiable. Et dans une semaine, ils vont nous sortir un rapport bricolé. Le rapport est sorti depuis un an. Vous n'arrivez pas à faire sortir le rapport. Vous nous dites que bientôt ça arrive, bientôt ça arrive, bientôt. Et dans quelques jours, ils vont nous sortir un rapport et on va accepter ça. On va accepter. On va dire que oui, on a demandé le rapport. Voilà maintenant le rapport. Et quand on aura le rapport, on va bien nous dénoncer que le Mayena n'existe plus. Mais le Mayena te fait 1000 plats par jour alors qu'il y a 100 malades. Et nous, on trouve ça normal. Ça ne nous choque pas. Que Noureddine Bongo, qui n'a pas de restaurant, les restaurants sont fermés, mais Noureddine Bongo fait facturer 1000 repas par jour. Les 1000 repas, là, ils pensent à 15-20 000. Les petits déjeuners ou 30-50 000, ils surfacturent. Mais ça ne nous choque pas.
Vous croyez que le retard, le rapport a lieu pourquoi? Mais parce que c'est des voleurs, parce qu'ils ont détourné de l'argent. C'est quel rapport qu'on a fini depuis un an, qu'on n'arrive pas à faire sortir? Et ils vont nous dire que dans quelques mois, le rapport sort. Et nous, on va gober ça. On va gober, on va manger. Et on va continuer la vie. On attend que les élections. Il n'y a que pendant les élections qu'on peut parler. Il n'y a que pendant les élections qu'on peut dire non. Et on dit non seulement que la période des élections, après, on va encore faire comment? Après, on va encore faire comment? Nous, on va ouvrir notre bouche là. Demain, boum, avec son pas. À cause des problèmes du Gabon. On nous prend pour des fous. Oh, nous, on insulte. On est des gars qui insultent. On ne fait pas de la politique, on insulte. Eux, ils vous tuent. C'est pas grave. C'est nous qui insultons les gens qui vous tuent. C'est nous, nous sommes devenus, c'est nous les impolis. On insulte les ministres. Franchement, il met le TV+, il bouffe l'argent de la CNSS. Les retraités de TV+, aujourd'hui, sont en merde. Parce que quand on te prend l'argent pour cotiser à la retraite là-bas, Franck Guémard, lui, mange ça. On a les preuves. Il est toujours ministre. Et il envoie des enfants depuis un an en prison sur un motif abstrait. Doyen, il est toujours ministre. Chez lui, il n'a pas fait de stade. Il n'a pas fait d'école sportive. Il ne va jamais voir les structures sportives. Mais aujourd'hui, je suis à Cuba. Je vais aller visiter Cuba pour voir comment Cuba fait son sport. Au son. Maman sonne, la honte, des choses de la honte, Franck. Franck, tu es vraiment le plus maudit des maudits. Quelqu'un qui a défendu l'honneur du Gabon en disant que je suis TV+, je dénonce ce qui se passe. Aujourd'hui, tu es vraiment une serpillière, un traître de la nation. Une humiliation des femmes. Bon. J'ai crié pendant 50 minutes. En tout cas, moi, je continue à parler. Si, ne voyez pas parce que je vois, je suis là un mois, je ne suis pas là parce que j'essaye de bricoler ma vie aussi. J'essaye de faire un peu mes petits bricoles, ma petite société, elle a du mal maintenant tous les jours, cause des problèmes, je ne suis pas concentré. J'ai oublié même de faire des factures, des devis à mes clients. Les clients me courent après parce que les choses du Cameroun me montent à la tête. C'est les clients qui pleurent que oh, mais bon, mon logo, tu n'as pas fini, ma fille. C'est les clients qui pleurent. Parce que je suis devenu comme un fou du Gabon. Et on doit toujours dire qu'il y a d'autres qui doivent, il n'y a que d'autres qui font. On doit regarder. Seigneur. J'ai mal pour Jean-Rémi Yama. Je vous dis, j'ai trop mal. Quand je vois ce qu'on fait à Jean-Rémi Yama, je dis que Bob le fou, mais quand on va t'attraper ou bien quand on va te faire ça propre, les gens vont faire ça comme un fait divers. Hervé Mombo, aujourd'hui, on a oublié. Qui c'est qui parle d'Hervé Mombo? Maître Meyer, on a oublié. On a oublié. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Faut passer à autre chose. Au lieu que la mort de quelqu'un d'une grande personnalité comme Maître Meret, nous lève, nous explose la tête pour qu'on puisse prendre les choses à bras le corps pour changer les choses. Mais on dit non, on attend qu'Ali Bongo soit officiellement déclaré mort. On attend que Mourantsou ait un AVC. On attend que le pays là, je ne sais pas, quelqu'un se réveille seul, il tue tout le monde et puis dit que c'est lui le nouveau président du Gabon, Assimi Goïta, qui ne sort de nulle part. On ne comprend pas que c'est nous. Nous pouvons nous-mêmes faire bouger les choses. Nous pouvons être les maillons du changement. On ne sait pas ça. On attend que ça vienne comme ça. On se lève le matin, comme on aime les lives, on va regarder le live le matin et dire « Oh! On a libéré le Gabon. » Non, les gars. Mes frères de 35 ans, là. Ah, les glaçons sur la tête, tu as raison, Sylvana. Mes frères, vous avez 40 ans, 50 ans. Macron est président, c'est notre petit frère. Tous les jours, vous vous croyez jeune. Vous dites que non, la nouvelle génération. On a 50 ans. On va être grand quand? La famille.
On va avoir le coronescan. On va voir le quand. On est même dans un pays de droit en France. Vous savez que le Gabon est un pauvre. Qu'est-ce qui empêche dans chaque ville de France, même si vous êtes à deux, aller demander des autorisations dans les préfectures pour dire que nous sommes debout pendant une heure avec une pancarte, une banderole que libérer le Gabon, abat les bongos, c'est terminé. Même debout seulement pendant 2 heures dans chaque ville de France. Vous croyez que ça ne peut pas faire un impact, qu'on filme ça et tout ça, on dit que non, le Gabon a un problème. On va toujours dire qu'on attend que le Gabon sauve. On attend que le Gabonais se lève. Le Gabonais attend quoi? Le Gabonais est ma poule. Hein? Le Gabonais est trop peureux. Le pays, non. Mais nous-mêmes ici en France, au pays où on a les autorisations, c'est pas qu'une association. Un particulier peut demander une autorisation de manifestation à la préfecture. On va lui demander ça à cause de quoi? Non. Problème du Gabon, etc. Vous serez combien? On sera deux avec une banderole et puis un haut-parleur. Ah, d'accord. Donc, on vous donne l'autorisation de telle heure à telle heure. Même ça, on ne peut pas faire. On va seulement rester sur Facebook pour dire que c'est avec le live qu'on va regarder. Attends, ça, chacun, vous ne pouvez pas vous organiser dans chaque ville de France pour qu'on ait au moins 10 mouvements. Même France, États-Unis, Allemagne, prendre une banderole, c'est 75 euros. Ou même si vous achetez ça sur Internet, même pendant 3 semaines, vous allez même avoir ça à 20 euros, 25 euros sur Internet. Vous prenez une banderole même à deux, devant la préfecture ou bien devant le ministère, quand vous êtes debout à deux, avec votre banderole. Une heure de votre vie, mes frères et sœurs, une heure de votre vie, vous êtes devant. Mais quand vous faites ça, c'est écrit à la préfecture, ça remonte. Parce que c'est une autorisation de manifester qui est officielle. On ne dit pas que c'est eux qui vont changer le pays, notre pays, mais le fait de voir qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont debout, qui demandent une manifestation tous les samedis ou même les mercredis ou les jeudis devant telle institution avec une banderole, ça compte. Mais s'ils voient qu'il n'y a que le Trocadéro qu'on va insulter tous les jours, il n'y a que le machin, y a, attends, le combat que nous avons au Gabon, c'est ce que le Trocadéro. Il y a l'Allemagne, c'est un pays. L'Angleterre, c'est un pays. Les États-Unis, c'est un pays. Encore que la Clinton, eux, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent là-bas au maximum aux États-Unis. Il n'y a plus de Gabonais à l'étranger. Mais quand tous les Gabonais voient comme ça, ils vont dire que non, le combat-là est fini. Plus que nous, on devient une distraction. Mais fameux-toi, John Kosa, ils deviennent une distraction que les samedis. Oh, vous êtes encore debout là, courage, hein? Le combat, on est ensemble dans le combat. On vous soutient. On peut pas, on vous soutient. Le problème du Gabon, là, on va seulement venir se scandaliser sur Internet. On a cassé une maison à glace. Pourquoi pas en France ici, il n'y a pas une manifestation, vous prenez votre banderole. Pas à Paris. Paris, ils sont fatigués, ils ont aussi des familles. Marseille, Lyon, Grenoble, tout ça, il n'y a pas d'association gabonaise. Ou même s'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de Gabonais qui peuvent se lever avec une banderole en Suisse, au Canada, en Belgique. Il n'y a pas de Gabonais là-bas. Même une fois par mois ou 2 fois par mois, vous ne pouvez pas prendre une banderole. Vous vous mettez une banderole, vous êtes, même si vous êtes 3, ce n'est pas le nombre. C'est le geste. Parce que quand vous serez debout avec votre banderole, on va filmer une petite vidéo, même de 5-10 minutes. Nous, on va aller tweeter ça pour montrer que le Gabon ne va toujours pas bien. C'est de ça qu'il s'agit, comme on dit. C'est de ça qu'il s'agit. Va? Bientôt. Est-ce que Suzette, non, Suzette, c'est la comédie, c'est au goûter? Ah! Hein? Toi, tu as encore les belles dents. Si tu fais ça, tu n'auras plus les belles dents. Tu prends la Suzette à 16h, d'accord? Un chocolat, un petit. Non, non, pas celui-là. Prends un truc comme ça. Voilà. Après, tu fermes. C'est bientôt fini. Non, pas l'enseignant, j'ai fini. Excusez-moi. Il y a un résistant ici. Hein? Oui. Fait mal. La famille, sérieusement, ça fait mal. Ne regarde, il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. On a besoin d'agir. Ne négligez pas quelconque action que vous pouvez faire. Aujourd'hui, c'est en Allemagne, au Canada, en Belgique,
en Italie, en Inde, au Ghana, en Côte d'Ivoire, il y a une petite manifestation de 1 heure par semaine. Debout avec vos banderoles. Pas seulement attendre aux élections. On attend toujours que quand les élections arrivent, qu'on va maintenant manifester, qu'on n'est pas d'accord. Ils ont encore volé les élections. Vous ne savez pas que ça va se passer comme ça. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer ça maintenant? Au lieu d'attendre en 2023 pour dire qu'on sort les banderoles parce qu'ils ont encore volé une élection. Vous savez qu'ils vont voler. Vous savez qu'ils vont encore tuer, malheureusement. Votre temps, mes frères de 45, vous savez que vous avez du travail. Mais l'exemple commence également par ceux qui disent aux Gabonais, levez-vous. Ceux qui disent aux Gabonais, mais bougez-vous. Eux aussi, là-bas, ils nous regardent. C'est quand on fait quelque chose qu'ils disent, oh, non, non, non. En France, ils ne se laissent plus, ils sont solidaires avec nous. Ils ne nous disent seulement, pas seulement qu'à nous, que c'est nous sommes le peuple de Maboul. Les Libanais ont fait ça. Il n'y a pas d'ambassade du Liban en France. Il n'y a pas d'ambassade du Liban au Canada. Il n'y a pas d'ambassade du Liban au Brésil, aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous empêche de demander une manifestation devant l'ambassade du Liban à l'étranger? À la préfecture, on va vous demander ça à cause de quoi? Vous pouvez dire que non, la communauté libanaise est en train de casser des maisons au Gabon. Et comme ça, quand les Libanais là, vont voir ça, c'est une mauvaise publicité pour eux. Ils vont peut-être appeler leur communauté gabonaise que qu'est-ce qui se passe au Gabon? Ici en France, ici au Canada, les gens sont debout avec des banderoles pour dénoncer ce qui se passe au Gabon. C'est comme ça les actions. C'est ça. On peut pas seulement condamner les Gabonais qui ont filmé. On peut pas seulement condamner les Gabonais qui sont restés sans rien faire. Nous, on fait quoi? Ok, si on fait des lives, ok, c'est bien. Mais sur le terrain, là, on fait quoi? Sérieusement, on fait quoi? On fait quoi? Vous savez que nous, on est obligé de dire qu'à un moment, on fait, à un moment, tu te retournes comme ça, tu vois qu'il n'y a toujours pas. Les gens ne sont pas là. À un moment, tu fais quoi? Tu dis que moi aussi, le petit Gabonais que vous voyez m'embêter pendant mes lives, je dois manger. Il doit manger. Donc, je me concentre un peu pour essayer de trouver mes clients, pour essayer de faire mes factures, faire mes trucs. Obligé. Après, vous avez dit que le combat a diminué. Hein? Oh non, on ne sent plus que la résistance est tombée. Mais la résistance tombe pourquoi? Parce que tous les Gabonais la regardent. Ou bien ils parlent seulement sur Internet, ils commentent. La résistance, on doit sentir la résistance ici. Ok, vous n'aimez pas les gens du Trocadéro. À Montpellier, Nice, qu'est-ce qui vous empêche en tant que Gabonais responsable de dire que à 3 ou 4, nous prenons notre banderole, on cherche le représentant libanais dans notre ville. Ou bien même devant un restaurant libanais. S'il n'y a pas d'ambassade libanaise, vous partez faire sitting devant un restaurant libanais. On vous dit, mais pourquoi un restaurant libanais? Oui, parce qu'il y a des Libanais, le symbole est là, qui sont en train de casser les maisons, d'exproprier des Gabonais. Nous sommes venus dire à cette communauté libanaise que c'est pas bien. Parce que eux, les autres Libanais, là, ils disent que non, nos frères sont au Gabon, tout se passe bien. C'est quand ils seront interpellés par leur communauté à l'étranger, on dit que, oh non, cette affaire-là prend de l'ampleur. C'est là où ils vont commencer à nous respecter. Il y en a qui peuvent boycotter au Gabon, mais nous, en France, nous ne devons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Et quand nous, on essaie de faire ça, on vous dit que les gars, cotisons un peu. Envoyez-nous un petit 50 euros pour que nous, on fasse les banderoles. Vous voulez que les miettes qu'on a là, les miettes que nous avons, c'est nous-mêmes, l'argent, au lieu de payer de lait à ton enfant, c'est toi encore qui vas faire les bannières. C'est toi quand tu es coincé, quand il n'y a plus le transport, tu dois prendre le Hitch, payer le Hitch 30 euros pour rentrer chez toi. Et le jour où on va vous dire qu'on fait les Hitch là pour vous nous aider ou pour machin, ou bien venir cotiser, c'est vous qui avez dit que non, la résistance gabonaise aime trop l'argent. On vous dit même que vous ne voulez pas, hein. Nous, on essaye de faire. On essaye de faire que quand vous donnez de l'argent, ça nous aide à appeler d'autres compatriotes qui n'ont pas les moyens peut-être de prendre le train. Ils ont envie de manifester, mais ils n'ont pas les moyens de nous rejoindre. On dit même qu'on va payer leur train pour qu'ils viennent nous retrouver. Il faut payer leur manger, leur dormir. Même ça, on ne peut pas s'organiser pour ça. Pourquoi on accuse les Camerounais qui sont au Gabon? La résistance, ce n'est pas que l'Inchap.
On dit que certains ne veulent pas faire une chambre et tout, c'est normal, ok, c'est Bob le fou, tu es fou avec tes amis, c'est fou les fous. D'accord? Laissez-nous, ça c'est une partie, les fous. Oui, nous on fait la partie folie, on assume. Mais l'autre partie là, manifestation autorisée. Il n'y a plus de Gabonais en France, il n'y a plus de Gabonais au Maroc, il n'y a plus de Gabonais au Canada, il n'y a plus de Gabonais aux États-Unis ou ailleurs. Ça vous coûte quoi de demander une manifestation devant un restaurant libanais, devant une ambassade libanaise, devant une institution qui a un lien avec le Liban pour dénoncer ce qui se passe au Gabon? Ça, c'est le Liban. Mais on a des problèmes avec les FMI. On a des problèmes avec vous, ce que vous appelez la France-Afrique. Mais nous sommes en France. On lutte contre la France-Afrique. Mais battons nous-mêmes en étant en France, on dit que non. Ce n'est pas venir insulter la France que les Français sont des tueurs. Non. Quelle manifestation nous faisons pour dire que nous dénonçons la mauvaise ingestion du Gabon ou d'ailleurs d'Afrique? Il y en a qui essayent de faire, Brigade anti-Salinaire ou bien de manière, on essaye. Mais à des miettes, on essaye un peu. Le jour où on fait ça à 200, 300, on a eu un impact. Bon, au début, tu as dit que tu viens parler 10 minutes, tu as 1 heure. Voilà le problème du Gabon. Oui, chérie. Bon, je vous laisse. Même partager les vidéos, n'oubliez pas. Tous les jours, quand quelqu'un fait un live, je partage. Dès qu'il y a un thème bien précis, je partage partout. Mais nous, en communauté, Bob le fou, si ce n'est pas lui qui partage, il ne veut pas partager. Comme je ne peux pas partager pour moi-même, je n'ai pas eu le temps, les autres, ils vont regarder. Même pour seulement partager, ça là, ils ne vont même pas partager. Et vous demandez aux Gabonais de se lever. Même pour partager, les gens refusent de partager. Comme si en partageant, là, je viens vider vos comptes bancaires. Comme si en partageant, le problème qu'on parle là, on n'est pas au courant de ça. Tu dis au revoir. Au revoir tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on dit pour le Gabon? Non, 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 je t'ai pas dit de t'apparaître. Tu peux parler. Qu'est-ce que tu parles du Gabon? Qu'est-ce qu'on doit faire pour libérer le Gabon? Il y a dans l'espace. Voilà, vous avez entendu, David a dit on peut envoyer Ali Bongo dans Sur le l'espace, soleil. sur le soleil. Ça crame le soleil, attention. Hein. Même lui là, il a 8 ans, mais il sait déjà que Ali Bongo doit être envoyé sur l'espace. Parce qu'il sait que papa, tous les jours, il parle des choses du Gabon. Papa est fatigué. Tiens, Tata, Sylvana te dit au revoir. Il dit au revoir, Tata. Au revoir, Tata. Bon, là, il est content quand il vous dit au revoir. Il sait que papa va laisser le téléphone pour qu'il puisse allumer sa télé. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Ça fait mal, mais on va y arriver.